C'est Trunks. On l'a reconnu direct. On a mis son épée direct. C'est celui qui coupe Freezer. C'est pas parce que ça, c'est qu'on a bien mangé. C'est 10 minutes, faut être focus. Koshi. D'aller dans la salle de l'esprit du temps. Hein. Est-ce que c'est un teasing pour un Trunks? Les cheveux sont cassés là. Oh Dieu, Goku Gohan. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire sur l'anniversaire. Alors. Ah, parce que c'est vrai qu'ils se saucent assez souvent quand même. Trois reprises, ouais. Vraiment, on fait beaucoup par contre, ouais, pour le coup. Migate, Ryuken, SV quand même. Et pour l'instant, ils se sont pas auto-congratulés encore. Ouais. Faut qu'ils arrêtent de présenter les persos comme ça, on les a déjà vus. Donc le portail, il est même plus là, t'sais. Genre, vraiment, ça sert à rien, quoi. C'est bon, affiche le seum à tous ceux. Résumé de ce que vous avez raté, c'est qu'on pas drop. Pourtant, PVP, vous vous êtes fait soulever, vous êtes devenu. Et boine rouge qui s'est la gueule. Ta petite, mon dieu. Merci l'emplacement leader, j'espère que vous avez kiffé. Ah ouais, là c'est derrière vous. Tournons la page. Tourne la page. Ok, les infos. Allez. Attention, Zenkai. Ah, nouveau groupes, système quoi. De ranking. Ok. Des groupes ranking. Oh! What? Il va y avoir des poules? Des groupes? Ah ouais, c'est pour encore filtrer ouais, les joueurs. Donc il y aura des groupes dans les rangs. Ouais, dans les rangs, c'est ça. C'est ouais, cool. Je sais pas quoi en penser là pour le coup. C'est bizarre. Ah, c'est un système comme ça. Ok, ouais. C'est pas des joueurs aléatoires quand même. En soi, ce que j'allais dire, c'est plutôt pas mal en fait, ouais. Franchement, c'est bien, ouais. En fait, ça match plus en fait, les gros joueurs entre eux. Ouais, voilà, ça fait des groupes en fait où il ouais, y a plus de joueurs de haut niveau, genre, enfin qui ont du même niveau. Ouais. Non, c'est cool. Non, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Ouais. Et puis en plus, on doit être après au top de notre groupe. Mais ça a l'air de rapporter des CC, regardez. En bas à droite là, ça rapporte 200 CC ah ouais. en plus. On est fait 200 CC en plus grâce à ça, bien vu, mec. Ah ouais, donc faut être le premier de son groupe, genre, ouais, et puis ça rapporte des CC en plus. Ah, ça me fait penser au TB sur Dokkan. Sur Dokkan, tu peux monter en top classement et t'es aussi premier de ton groupe sur Dokkan. Il y a des groupes aussi. Ah, c'est vrai. Il y a des groupes. Sur TB, c'est comme ça. Oh, ouais, il y a ça. T'avais pas tort, hein. La diminution, peut-être. Enfin, tu vois, ça, c'est peut-être réparti aussi un petit peu ici, quoi. En vrai. Oui, peut-être, ouais, peut-être. Donc, ouais, on doit être premier et de notre groupe et du. Bon, après, on. Par contre, la team du mec qui présente, c'est Insane. Hein. Très, très belle optimisation. J'ai vraiment peur de la team. J'avoue, la team, même pas niveau 1, niveau 3800. Ah, puis il y a Hit Rouge dedans, la poubelle. Oh, le tease, il y a Super C17. Il y a Chalotte. C'est l'intrus. Il y a un perso qui n'existe pas dans le jeu, j'avoue. Il y a Chalotte. Super C17 LF. C'est cool en vrai. Apparemment, on nous dit qu'il y avait un nouveau mode à côté de. Dans l'écran. Pas oui, c'est. Ah, c'est vrai, c'est vrai qu'il y avait 3 onglets. Ah, ben voilà. Casual. Ah, bah ouais. Décontracté. Oh, ok. Qui veulent profiter des cons. Un peu plus des cons. Oh! Attendez, est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont ça, le dire? Ça peut être vraiment bien, genre. Les persos, les. Est-ce qu'ils vont donner les persos? Allez, let's go. Faut que ça soit plus casu, donc plus simple d'accès. Hein. Ok. Ouais, pourquoi? Ah, il y a des trucs, il y a des coco. Oh, que tu gagnes une carte, obtiens des trucs. Goten et Trunks. Autant de récompenses ah, bien, ouais. Oh, il y a Goten et Trunks sur le mode. Goten et Trunks. Ah. Pour le moment, c'est cool. Hein. Petit Goten, petit Trunks. Ah, on claire des points et puis il y a et des et en plus, t'as des défis, genre. En mode ouais. Jouer avec un Saiyan, ah, ou jouer comme ça, genre. Ah non, c'est vraiment oh, pas mal, c'est ça. Clean, ça. C'est pas mal, ok. C'est pas mal. Ouais. Par contre, je vois qu'il y a une autre saison. Ah, yeah, c'est marqué, il y a un classement aussi. Aïe, aïe, Goten et Trunks. Alors, j'espère pas qu'il va falloir se classer dans les deux. C'est des récompenses en plus, et je pense que c'est une bonne idée le fait de donner les récompenses même quand tu perds. Il y a le Legends Battle Royale, les gars, à droite. Ouais, exact. Je rêve.
Par contre, ils ont dit s'il y avait de Titan en LBR. Je sais pas s'ils l'ont dit. Non, non, je pense que c'est le même scène d'étoile. Ils ont, ouais. D'accord, ok. Malheureusement, d'ailleurs. That's exactly right. En fait, ça c'est bien. En fait, vous savez pourquoi c'est bien foutu? Ils sont en train d'expliquer que même si tu perds dans ce mode-là, tu montes dans le ranked de ce mode-là en fait. Ce qui fait que les gens, ils vont jouer vraiment en mode, tu sais, genre, t'auras pas autant cette rage de perdre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ça va être moins. Je pense que ça va moins camper, etc. J'espère. J'espère aussi. En fait, ce qui est surtout cool, c'est pour les joueurs vraiment qui veulent pas toucher au PVP et qui sont, qu'ils ont un peu peur, tu vois. Bah là, ils ont pas cette frustration peut-être aussi, tu vois. Ouais. En fait, ils ont pris le mode qui existait déjà, ils l'ont. Parce qu'il y avait un mode comme ça, la trial en fait. Jusqu'à maintenant, mais il servait à rien, quoi, tu vois. Et là, en gros, ils l'ont mis dans la tête. Ils l'ont enlevé, c'est ça, à la place. Mais c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Mais ouais, du coup. Ok. C'est la fin. Adden nous perso. Y'a pas la mécanique là. Mécaniques. La mécanique, on y mute. Ah, c'est pas prêt. Mais non. Pardon. Ça sort pas, mais après. Ah, c'est déjà le. Ah, Zenkai. Lequel? C'est le. Bon, par contre, là, ça sent Mirai Trunks. Ça sent vraiment Trunks. Ça sent vraiment Trunks. Là, ça sent fort Mirai Trunks. Attendez, imaginez Mirai et puis justement tag Switch avec Trunks, peut-être aussi. Là, ça serait insane. Et du coup, ce serait le vrai genre Mirai Trunks LF avec. En vrai. Ah, vous imaginez si c'est celui qui est sur l'animation, admettons, de la transfo, il voit Mirai Gwan au sol. Oh là là, mon dieu, c'est ça là. Ah, si c'est ça, c'est incroyable. C'est extraordinaire. Oh là là. PIB, du coup. Ok, allez. Allez, let's go, c'est maintenant. C'est qui? Allez, le nouveau perso. Allez, bon, c'est trop difficile. Un truc de fou. Allez. Dieu. C'est Trunks, ok, c'est Trunks, c'est Trunks. On l'a reconnu direct. On a mis son épée direct. C'est celui qui coupe Freezer. C'est celui qui coupe Freezer. Bon, l'artwork, ça va être masterclass, on a l'habitude. Ouais, voilà. Ah, il est beau, putain de merde. Il est classe. Maintenant, les animations, monsieur. Ah, j'avoue, des trucs là. Ok, une verte boost. Bon, le modèle 3D est un peu plus propre, je crois. Ouais, vraiment beaucoup plus propre. Ouais, hein. Oh, ouais. Oh, il est trop beau. Oh, l'ultime. Ouais, bon, classique. Burning attack. Okay. Ah, ça, c'est pas mal par contre, les plans de caméra. Oh, le LF. You finished. C'est stylé. Ah, classe. Oh, c'est magnifique. C'est incroyable. Mais c'est quoi cet LF? Ah, il y a du travail sur le LF, hein. Elle soit plus caméra. Waouh. Alors, le découpage, là, la séparation 2. Oh, le zoom et tout. La séparation 2 de l'écran, comme dans l'animé. Non, ça, c'est magnifique. Pour moi, il est vert, hein. Le Mirai Gwan. Mais c'est le meilleur trunk. Je pense qu'il est vert. On va savoir, ils vont nous le dire, là. C'est sûr et certain. Un Mecha Freezer, est-ce qu'ils vont mettre un Mecha Freezer? Ah ben non, ils ont pas annoncé. Un Mecha Freezer EX. Peut-être. Ah, il est SLG aussi, c'est vrai. Ok, ah, c'est ok, ok. Putain, on a enfin 13 DBZ d'élèves, en vrai c'est cool ça. Ça fait 4 ans, on a attendu 4 ans pour l'avoir. Ça bouge, ça casse. En vrai c'est un très bon choix pour la Métis et la lignée royale. Ouais, ça vraiment c'est le meilleur choix en PVP qu'il y a eu, vraiment, franchement. Et du coup, c'est la classe. Armure qui quoi? Il a une Armor Blast? Ouais. Ouais, il a une Armor Blast. C'est la soirée. Elle est magnifique, ouais, les enchaînements sont trop stylés. J'aime beaucoup ses cheveux aussi, comment ils ont fait. Si, mais c'est dingue. Il a pas l'air d'avoir de cover du coup. Ou alors ils l'ont pas montré. Ah, il prononce un direct face à Freezer en plus. Ah non, mais non, c'est trop beau. Cette pose elle est incroyable. Mais ça, c'est trop beau, hein. Oh là là. Le LF est classe, le LF est classe, ouais. Et la pose de victoire est légendaire. Incroyable. Ouh. C'est très classe, c'est très classe. Il est légendaire. C'est très très classe. Alors est-ce qu'il est vert? Allez, il est vert. Strike. C'était sûr. Hybride Saiyan sur la Cap Z et Vegeta Clan et Futur. C'est incroyable. 60% de réduction. Anti-tag Elo. Ok, très bien. Non, pas Elo, Armée Freezer. Ouais, Armée de Freezer, ouais. Ouais. Ok, 90%, 60% de réduction classique. Oh, il réduit les crits. On récupère tout ça. 20% dégâts infligés, façon ennemi, 30 de ki. Et réduit les crits, ça change. Waouh! Ouf, ok, d'accord. Oh, il a fait suivant à chaque fois qu'il tire. Oh, il tire. C'est fort ça. Oh! Avec des boosts en plus à chaque fois. À chaque ki, quoi? Et strike, il pioche. Ouais. Et il pioche deux fois du coup. Il a une cover pass. C'est débile. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il a une cover Kikoa du coup. On l'a pas vu, c'est dommage, il est pas montré. On a pas vu le cover Kikoa. Qui est écrit par contre. Ok. Et le passif de Tien, s'il vous plaît. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il. S'il vous plaît.
Je suis mort. Je suis mort. Le passif de Tienne. Ah. Ils l'ont oublié? Non, sérieusement. Okay. Les personnages. Oh, 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 il parle du film. Oh, il travaille sur les personnages super-héros du coup. Okay, bon, bah, on a l'annonce qui sortiront bientôt du coup. Il travaille dessus. Bah, les gens de festival, hein, je pense. Hein. Bah, franchement, juste la phrase qu'il vient de dire là, franchement, j'ai pas envie de pull sur Trunks, j'ai juste envie de stacker parce que je sais que ça va être une dinguerie en fait. Oh, putain, donc, ah, pas c'est de facile de team, je suis trop déçu. Et tu vois, moi, il y a un truc que je trouve dommage, c'est qu'à chaque fois, et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment, vraiment décevant, c'est qu'à chaque fois qu'ils intègrent quelque chose, ils en parlent jamais. Le TDP, le mode de jeu qui, quand il était sorti, ils avaient fait un tournoi PVP entre développeurs, ils n'avaient pas présenté le mode. Là, on a une nouvelle mécanique, elle n'est pas présentée. Tu vois, c'est vraiment dommage de ne pas profiter de ces moments-là. Non, par contre, le video and stuff, c'est le meilleur video and stuff depuis très longtemps. Vraiment, vraiment, vraiment. Là, le truc par rapport au PVP, c'était des putains de bonnes nouvelles. Hein. C'est vraiment super cool. Ouais. Après, je pense que certains sont peut-être pas trop hype par le Trunks, ça c'est des choix personnels. Moi je trouve super beau le Trunks, et puis bah, on attendait quand même pour beaucoup un Trunks Z, hein. Donc on ça c'est mange. Cool. On mange, c'est cool. Par contre, bah, en PvE, a priori, pas grand chose quoi. Ouais, le perso avec ça a beaucoup de Zenkai. Du coup, c'est quoi l'autre partie les effets suivants s'activent lorsque l'adversaire change de personnage. C'est trop fort ça, hein. Ça c'est débile. Nul, il réduit les dégâts reçus. Mais est-ce que vous avez vu ou pas le premier passif, c'est la vitesse de pioche? Ouais, c'est fois 2 et tant qu'il sort pas, il a la vitesse fois 2. Oula! De quoi? C'est où? Regardez! Tu parles pas de la création de cartes là? Tu parles de la vitesse? Non, c'est la création de cartes, non? Ah, oui, c'est de la. Non, en fait ouais, il crée des cartes comme C17 et C18 par exemple. Pour VB, et puis il en crée 2. Après, il en crée 2, hein, sur Strike c'est et sur Blast. C'est excellent, c'est vraiment fort. Ouais, c'est vraiment c'est très fort en fait. Mais s'il a pas d'anti-cover, c'est moins fort. Bref, ça c'est à voir. Ah, il a pas d'anti-cover a priori. Il a un anti, ok. Ouais, mais parce qu'on a pas vu la verte encore, à mon avis, la verte va apporter ça, quoi, je pense. Ah, il bloque les spé et les vertes, ouais, mais si c'est que ennemi puissant ou cyborg. Il a un anti-tac switch, ouais. Ah, il enlève le contre-type? Ou j'ai élément de facteur. Il a un anti-tac switch qui est assez chelou parce que ça donne un bonus contre les ennemis puissants. Ça réduit le ki, ça devrait une carte c'est RP en vrai. Ouais. Ah, c'est le tag, hein. Ouais, c'est le tag cyborg. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, j'aime pas ce passif du faut que ce soit un ça, switch tag. Ouais, ça va en vrai. Bah, ça sera de plus en plus fort au fil du temps, mais là actuellement, c'est pas. Ouais, au final, franchement, les amis, bah, c'était cool. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures sur Dragon Ball Legends. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais ça va, en vrai, je suis content pour tout le PVP. C'était des excellents ajouts. Mais le reste, en vrai, bon, le perso, pour une fois, bah, c'est cool, c'est sympa. Mais c'est surtout les ajouts PVP qui sont cool. Mais pas de passif de Tienne, pas de tout ça. Je suis un peu déçu d'un côté, mais c'est plutôt cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Riyad, prenez soin de vous. Ciao.